Tout commence par un son. Ouais, c'est ça. Un son. Un son qui fait trembler la forêt. Dès que je l'entends, j'ai comme un frisson psychologique. Je suis obligée de m'arrêter et de prêter une attention encore plus grande aux vivants qui m'entourent. Pour espérer l'apercevoir. Au cours d'un affût dans les bois le soir, j'observais les écureuils. La forêt était très belle dans ses ambiances de feu. J'entends le pic au-dessus de moi. C'est son cri de vol, mais ça m'a indiqué une direction. J'ai tourné la tête, et là, il était là quoi. Dans les derniers rayons du soleil, au loin. C'était juste magique. C'est là que m'est venue l'idée de mettre tout en œuvre pour le trouver. Maintenant que je l'ai vu, ce n'est plus qu'un son dans les bois, mais aussi une image. Alors j'ai multiplié les affûts, sans résultat. Et puis un jour, sur le live de Exploration Nature, on parle de loge. J'ai une seule photo en clair-obscur du Pic Noir et j'avoue que j'ai vraiment envie de les avoir à la loge, mais c'est pas évident, c'est vraiment pas évident du tout. Moi je m'y connais pas du tout en loge, donc je pose des questions. Mais après les pics ils sont un peu plus tard, là ils commencent seulement à nicher et... Donc ils vont commencer tout doucement à nicher, donc on est plus vers le mois de mai hein, pour eux. On a encore un peu le temps. Ensuite, je me renseigne sur des blogs spécialisés pour avoir la forme de la loge et des informations complémentaires. Puis il est temps d'appliquer ces conseils sur le terrain. Mais ça donne rien. Et puis un jour, au détour d'un chemin, sur la piste de chevreuil, après des kilomètres de marche, je me retrouve dans une forêt. Un lieu que je ne connais pas, mais j'entends un sifflement à côté de moi. Mes anges et sitelles s'époumonnent autour de moi. Je comprends bien vite l'objet de ces tourments. Je suis proche d'une loge de sitelles. Ma première en 4 ans de photographie. Je me décale bien vite, mais note le lieu dans ma tête. En repartant, je me dis que si j'ai trouvé une loge de sitelles, je peux peut-être trouver celle du Pic Noir, pour bien finir la matinée. Je me mets donc en route vers la zone où j'ai déjà pu l'apercevoir. Arrivé sur les lieux, je ne trouve d'abord rien. Je me rends compte que la tâche est moins aisée que dans mon esprit. La zone supposée de nichage est bien grande. Mais je ne me laisse pas abattre et continue. Quelle n'est pas ma surprise de trouver une deuxième loge de sitelles. C'était vraiment une matinée magique. Je remonte encore un peu dans les bois et je trouve cette fois une loge qui a les critères de la loge du Pic. Je prends une photo de cette dernière et commence à partir. Soudain, je me fige. Le chant du Pic Noir en vol résonne dans toute la forêt. Je me fais tout petit. Dans ces moments-là, j'aimerais être invisible. Et là, je le vois. Le fantôme de la forêt s'est pour une fois découvert. Et je n'ai jamais été aussi proche de lui. Le soir, j'ai bien envie de retourner à la loge. C'est comme si tout mon corps était poussé vers elle. Pourtant, à ce moment-là, je n'ai aucune idée de si c'est une vraie loge de Pic, car c'est ma première loge concrète, pas que des images sur les blogs. Je fais un sondage sur Insta pour savoir où je vais en affût. Et c'est le chevreuil qui est voté. Bien qu'affreusement déçu, je me tiens au vote. Après 3h30 d'affût, toujours rien. Je profite des derniers rayons du soleil pour aller checker la loge. Et, à ma grande surprise, le pic est juste à côté. Je reste cloîtré sur place et tout tremblant tant la proximité est grande. Et là, à ce moment-là, je réalise que c'est lui qui est dans l'entrée de la loge.
Après plusieurs mois de quête, ça y est, je l'ai trouvé. Et cette loge annonce de magnifiques clichés pour le reste de la saison. C'est un immense palier que je franchis avec cette trouvaille. Mais c'est aussi énormément de responsabilités, du fait du dérangement que je pourrais provoquer. Je vous promets de toujours faire passer l'éthique avant l'esthétique. Et j'espère que dans des cas comme le mien, vous ferez la même chose. Sur cette promesse, je vous laisse.